bonjour à toutes et à tous, c'est le fermier Auvergnat. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là je suis dans le 103, le tracteur rechargeur. Je suis en train de charger les bottes de paille. Donc on a moissonné lundi dernier, la paille s'est mouillée. Donc il a fallu attendre la fin des orages pour pouvoir la faner et l'endainer. Donc on l'a bottelé avant-hier et je la ramasse aujourd'hui. Donc voilà, je suis avec le 103. Donc là je suis en train de les empiler sur le char. Donc j'ai le surélévateur, en fait c'est pour les empiler sur place dans les bâtiments. C'est plus simple vu qu'on monte à 5 bottes de haut. Donc voilà, après c'est des bottes qui font de diamètre 160 à 165, donc des relativement grosses bottes. Je vais les peser tout à l'heure pour savoir à peu près le poids qu'elles font. Donc voilà, il y en a 40 à ramasser dans ce morceau. Un morceau qui fait un peu mieux d'un hectare. Cette année, beaucoup de paille. Il y a eu aussi beaucoup de grains. Donc relativement content des céréales, même si pour le moment, c'est en train de briller un peu partout. Et on a beaucoup de mal avec les prairies et surtout avec les maïs. Donc voilà. Mais sinon, au niveau rendement céréales, très content. Donc l'avantage de ce char et de ce tracteur, c'est que sur le tracteur, on a le crochet ramasseur. Donc on n'a pas besoin de descendre du tracteur pour rater le char. Très pratique, et on s'est équipé aussi de feux à LED sans fil, c'est à dire que on le branche sur la prise du tracteur, la prise 3 clous du tracteur à l'arrière, et on a les feux directement sans avoir à descendre, débrancher, brancher le fil à chaque fois. Ça marche pas en Bluetooth et c'est plutôt pas mal, ça a une très bonne portée. Donc voilà, allez, je vous laisse avec les images et je vous retrouve tout à l'heure. Donc je vais finir d'empiler mes bottes, donc toute la paille est rentrée, la saison de paille pour cette année est terminée. Donc relativement content des rendements, on est autour de 8 tonnes par hectare pour la paille, et en grain autour de 75 kg pour du sec, c'est pas vilain. Donc voilà, relativement content cette année. Donc mon cousin est venu m'aider avec le nouveau tracteur et le plateau de la cumole, le plateau ponge, donc voilà, pour finir un peu plus vite. Et donc on a fini la journée, on a rentré toutes nos bottes, donc tout est nickel. Et donc, moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à une prochaine vidéo. Bye!